dingue à Motomag, ils m'ont dit viens, va rouler, ça va être cool. Et on est en février, il fait genre un temps où les oiseaux se pendent et les mecs m'emmènent au bord de la mer vers Calais et on revient par le Vexin. Alors je sais que la presse est en crise et qu'il n'y a plus de thunes, mais enfin là quand même c'était un peu violent. Salut les copains. Salut. Vous êtes contents de vous? Vous êtes contents de vous? Bah écoute, on n'a pas eu de pluie. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais on a même eu du soleil. C'est déjà ça. Petite question les garçons, en fait on a avec des motos qui sont faites pour tailler la route. Nous avons trois nouveautés 2022, la Ducati Multistrada V2S, la Suzuki GS6 S1000 GT pour grand tourisme et puis la Honda NT1100. Les garçons, il n'y a pas que la GS dans la vie, parce que ces trois motos qui ont une vocation, c'est de vous faire rouler. Clairement, il n'y a pas que la GS. Qu'est-ce que t'en penses, Marcel? Parce qu'en fait, quand tu vois les chiffres, Marcel, les mecs achètent des GS. Alors, par réflexe, par atavisme, hein, tu vois, mais bon. C'est Maxwell. Maxwell. Ouais, Maxwell. Maxwell, voilà. Maxwell Pelgrim. Ouais. Ça change toutes les minutes. Hein. Écoute, alors moi, je vais être franc avec toi. La NT1100, je la connaissais déjà. Ouais. La GSXS aussi, j'avais fait les présentations presse. Bah ouais, et effectivement, il n'y a pas que la GS dans la vie, mais en fait, tu te rends compte que même pour rouler, c'est-à-dire pour faire de la moto d'une manière, je dirais presque consumériste, bouffer de la borne, il y a quand même un élément de plaisir qui rentre en jeu. Ah. Et là, je t'avoue qu'après avoir roulé ces deux jours, je me pose quelques questions que je ne me posais pas avant de partir. Des questions qu'on se pose dans le comparatif qui va paraître dans Motomag, qu'on Exactement. Vous incite à lire. Parce que voilà, il faut faire la part entre rationalité et plaisir. La moto, ce n'est pas que rationnel. Exactement. Voilà, une GS, c'est du plaisir aussi quand même un peu, non? Bien sûr. Alors, ouais, moi je vais me faire défoncer, j'aime pas cette moto. Ouais. Mais bon, parce que c'est probablement la meilleure du monde. Ouais, du coup tout le monde en a une. Ouais, tout le monde chiant. En a une. Ouais. C'est ça, c'est autre chose. Et puis en plus, moi la perfection en moto, ça ne m'intéresse pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Ouais, ça m'étonne pas, j'ai fait un peu comme toi. Alors du coup, parlons-en, quand t'es revenu de cet essai de NT1100 tout excité, on a presque pu lire dans tes propos qu'on n'était pas loin d'avoir la moto de l'année, cette NT1100. Tu, après avoir fait 800 bornes, par 5 degrés, après avoir arpenté les côtes de la baie de Somme dans le brouillard et le Vexin sous un soleil de... Non, il n'y en a pas. Voilà. Tu penses toujours à la même chose, moto de l'année, pas moto de l'année? Alors, je pense toujours que c'est la moto de l'année, c'est-à-dire que le concept est terrible. Ils ont ramené la routière à un tarif raisonnable. Elle sait, on est tous d'accord, elle sait tout bien faire. Elle est confortable, elle protège, elle est super bien équipée. Elle a ce moteur de l'Africa Twin qui reste sympa. Mais elle a cette fameuse perfection Honda. Et en fait, je t'avouerai que la grande surprise pour moi, c'est que dans ce comparatif, on a emmené une alternative, parce qu'on considérait que ce n'était pas vraiment une nouveauté, puisque c'est la Ninja 1000SX qui est l'ancienne Z1000SX. Et en fait, c'est avec elle que j'ai pris le plus de plaisir. Alors que j'aime pas vraiment sa gueule. C'est un 4 cylindres qui est pas non plus ma motorisation favorite. Mais elle est d'une homogénéité rare et elle a cette espèce de compromis habile entre praticité et plaisir. Et ça, c'est difficile de concilier les deux. Voilà. Merci, chef Mathieu. Toi, on sait que tu es un vieux dans un corps de jeune, mais c'est quand même assez vrai. On sait aussi que tu es un expert en trail et en Ducati et en tout terrain. Tu as beaucoup roulé avec les Multistrada. Tu as fait la Gibraltar Race avec une V4. Avec le V4. Est-ce que finalement, en termes de polyvalence, pour rouler vraiment, et ça revient à ma question de départ, est-ce qu'il n'y a pas que la GS dans la vie? Est-ce que finalement un bon trail, c'est avec ce que ça implique comme agilité, comme facilité, comme neutralité? On voit bien que c'est avec celle-là qu'on est le plus détendu sur les routes déglinguées avec les graviers, les feuilles mortes, machin. Ouais. Est-ce que le trail finalement Alors il y a beaucoup de polyvalence avec cette machine. La moto ultime. Ouais, il y en a beaucoup, mais après il y a une mécanique et une motorisation qui, sur les parties plus lentes, en ville, en agglomération et avec un caractère qui est quand même pas ce que j'ai préféré de tout ce comparatif. Après Euro 5 a mis une claque en moto. Oui, clairement. Ouais. Vivement Euro 7B. Clairement. Donc qu'on se fasse bien chier au guidon. Donc pour taper de la borne, c'est vrai que c'était plaisant pour plein de raisons. Mais j'avoue qu'en fait, on aurait quand même beaucoup vu ton cul dessus, quoi. Globalement, cette moto. À un moment, on se disait, tiens, on voit la bien sur la D4. Ah bah non, il y a Mathieu dessus. Non, mais l'italienne, elle m'a plu par certains côtés. Mais la japonaise sur laquelle je suis assis là, si tu prends sur sa globalité, c'est-à-dire faire de la borne, mais c'est aussi après faire des petites routes, l'agglomération, la ville, la protection, tout.
Je vais peut-être passer pour un vieux dans un corps de jeune. C'est mais ce que tu es, Mathieu. Tu sais, il faut savoir qui on est parfois. Sur sa globalité, c'est celle qui m'a le plus. Donc toi, tu prends la NT 1100, tu repars avec la NT 1100. Ouais. C'est bon, ça, parce qu'on n'est pas d'accord. Même si c'est vrai qu'il y a du plus et du moins. D'accord. Le mec qui a 30 ans qui achète des motos de quinquagénaire, quoi. Ça, c'est quand même beau. Bon, tu vois. Et vous, monsieur Gilles Guimauve? Moi, je suis très emmerdé, figure-toi. Puisque c'est vous qui allez écrire le texte principal. Il est déjà tout dans ma tête, j'ai plus qu'à faire pomper. Voilà. On a parlé de la NT 1100, on a parlé de la Ducati, on a parlé de la Ninja 1000 SX, mais nous n'avons pas parlé de cette Suzuki GSX-S1000 GT sur lequel tu n'avais, je crois, jamais roulé. Alors, j'avais roulé sur la Katana, la GSX-S1000, la 950, les A2, machin, mais pas sur cette version GT. Le look qui est intéressant, tu sais pas si elle est déjà has-been ou si elle est futuriste, il y a une espèce de... J'adore le de trait. Toi, t'adores le look, mais... on va en parler. Et pourtant, je suis pas si. Mais tu vois, il y a quand même un parti pris que je trouve intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que si tu veux, moi qui ai été nourri dans ma jeunesse à la grosse moto japonaise, tu vois, les européennes n'avaient pas percé encore comme ils ont percé aujourd'hui. Tu vois, quand j'étais jeune, une Triumph ou une Ducati, c'était vraiment exotique. Donc moi, c'était le gros 4 en ligne japonais qui structurait mon mode de pensée. Eh ben, il est là. C'est-à-dire que tu as ce moteur qui gronde, qui grogne, tu as une sonorité qui est super évocatrice, je sais plus comment dire. Tu as des perfs, évidemment. Ils ont enfin réussi à dessiner un tableau de bord correct. Donc ça le fait, mais je suis très embêté parce que en fait, comme toi, la perfection m'emmerde un peu. Du coup, je roule sur des nanars, etc. Et puis comme toi, on avait pris une moto un peu alternative. Et l'alternative, c'est dire bon, elle existe, on l'a pas oubliée, elle est encore là, mais enfin, c'est pas elle qui est sous les sunlight. Et si je devais repartir avec une moto, je repartirais avec cette bonne Ninja 1000SX, qui n'est que l'alternative de ce comparatif, mais qui est homogène, efficace, du caractère, elle est plaisante. Et c'est une vraie découverte. J'avais jamais roulé dessus, en fait. Et c'est vraiment bien. D'accord. Et donc, pour finir, sur cette GSX-S1000 GT, est-ce que tu penses que... Alors, tu vas pas tout dévoiler, mais est-ce que tu penses que le mot GT, c'est usurpé? Non, ou GT, c'est, oui, justifié. C'est un peu usurpé, parce qu'on sait bien que d'origine, elle a une bulle très basse. Là, ils ont une bulle touring qui est vraiment haute. Alors, elle convient à des gens qui compensent une espèce d'altitude problématique par un excès de talent. C'est le cas de notre Grégory Mathieu, qui est pas d'une hauteur de bonnet excessive. Des grands gaillards comme nous, on en prend plein la tronche. Et franchement, c'est relou. Après, la position, elle est neutre. Le 4 cylindres, c'est quand même un vrai allié, tu vois, en termes de tourisme. C'est-à-dire que la Ducat, quand tu fais de la balade sur petite route, à un moment, c'est chiant, on change de vitesse tout le temps. Là-dessus, tu mets la 6e le matin, tu la retires le soir. Ça peut le faire. Ça roule de 30 à 250 sur le même rapport. Ça a plein de qualités. Douceur mécanique. Et puis, il y a quand même ce côté, encore une fois, c'est cette caractéristique un peu à l'ancienne. Quand tout, ça gronde, quoi. Tu sais que c'est sur un gros 4 cylindres. T'as les gènes des GSX-R. Voilà. Donc, en fait, t'es en train de nous dire que le comparatif qu'on pensait déjà pré-écrit, parce qu'avec nos expériences, on s'est dit la NT va tous les plier. Ça vaut vraiment le coup de le lire parce qu'il y a des surprises. Ah, puis il n'y a pas que ça, parce que tu vois, la moto, c'est aussi la découverte, c'est l'amitié, c'est la nature. Donc on va parler des 600 phoques qui sont présents dans la baie de Somme, on va parler des dérives sexuelles de Mathieu sur les boîtes à rivets, on va apprendre plein de choses. D'accord. Voilà. Bon, sur ce, bisous sur le casque. Salut. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Tu veux dire, les Guzzi, c'est des merdes absolues, quoi. Non, mais je dois dire ça. Les Guzzi, c'est des merdes absolues. C'est marrant, Guzzi ou d'autres, on arrive à élever. Hier, on parlait, tu me parlais de la bonne ville. Quand on a vu parler de Bonneville 68, tu as dit j'en ai fantasmé pendant des années. Le jour où j'ai essayé un truc, j'ai dit qu'est-ce que c'est cette merde, passer 80 à l'heure, tout part en couille, quoi. C'est certain. C'est vrai, une grosse déception. Alors qu'une bonne CBF 600, hein. Ah bah. Et toi, tu viens de nous expliquer que tu lècherais des carbures de 500 litres de Grand Prix. Oui, alors cette moto. En fait, faut pas te laisser seul dans un atelier parce qu'entre tes branlettes devant des boîtes de rivets et tes séances de léchouille sur des carbures. Tu sais ce que tu vas dire. Même payé, tu vas me faire passer pour un mec. Tu vas me faire passer par un mec étrange. Non, parce que je dis. C'est pas moi, c'est toi. Non, ce que je dis juste, c'est que. C'est que cette machine avec ce V8, je l'ai découvert finalement. Il y a 500 V8 de Grand Prix. Voilà, je l'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps et que ces carburateurs sont. Petit mignon avec des magnifiques petites pipes, et c'est vrai que. Des magnifiques petites pipes. C'est un des carbures de combien? Ah, je sais pas. C'est... Tu sais pas ça? Toi qui sais tout sur tout. Non. Ça joue sur les nanas. Non, parce que je veux pas raconter de bêtises. 500, ça avait des carbures de 20, 22. Ça doit être. Ça petit, pas. Ouais, mais finalement pas tant. Et je veux pas raconter de conneries, parce que sinon je vais me faire allumer. D'accord. Donc, je préfère avoir quelqu'un qui sait vraiment, peut-être le vieux pèlerin. Monsieur Pèlerin, quelle est la taille des carbures de la 508 de Campus? Alors. Ah, écoutez, je crois que c'était
dès leur taux de 28. À vérifier tout de suite sur Internet. Ouais. Après le modèle, je crois que c'était les SSI. Oh, putain, mais non, mais ça demande à vérification. Alors, dites-nous dans les commentaires si Marcel est la légende ultime de la moto du Zip, le mec dans une station d'autoroute à 9h30, à froid, petit café à froid. La taille des carbus. Ouais. Voilà. Je crois que c'était des carbus de 28. C'est ça, Motomag. Il faut regarder. Un alerte permanent entre excitation et culture. Je suis pas sûr de moi, il faut vérifier. Le spam, c'est Mathieu. Tout à fait. Nous sommes à la pointe du Hourdel, dans le nord de la France, je sais pas trop. En théorie, il devrait y avoir des otaries ou des phoques. Sont pas loin. Mais sur quoi tombe-je? Sur Tic et Tac. Sur quoi tombe-je? Monsieur Mellerin. Oui, bonjour. Une petite analyse. Alors, j'ai cru entendre que tu trouvais que c'était un poil déprimant et on s'est dit que même tu peux pas te jeter à l'eau parce que tu te serais mal du coup, on est à marée basse. Bah ouais, c'est ça. Une petite analyse sur ce moment. C'est toujours sur les pauvres gens que tu te caches. Non, j'ai rien contre la bête sope, c'est très sympa. Ouais. En plus, j'ai des souvenirs de jeunesse ici. Oui. Mais là, tu vois, un petit matin de février, gris, plafond bas, marée basse. Après avoir déjeuné d'un café dégueulasse. Après avoir bu un vilain café. Il y a une mauvaise langue. Tu te dis que c'est joli, c'est sympa. Mais bon, c'est la magie de la moto. Ouais, c'est un la magie de la moto. Et hop, t'es à San Francisco. Voilà, c'est ça. Cette grisaille, ça lui va bien, regardez. En plus, t'es raccord. C'est pour ça que tu t'es habillé comme ça. Il y a différentes teintes de gris. Vrai. Donc voilà, donc non, la baie de Somme, non, c'est un côté un peu. Allez, devant moi, la baie de Somme. Ouais, tu te recueilles, quoi, quand tu viens ici. Ah, tu, ouais. vois, tu fais une introspection sur toi-même. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, je suis speechless. T'es célibataire ici, tu viens de divorcer. Putain, c'est là, chaud. Je vais dire, là, ta femme vient de te quitter, mon gars. Voilà. Tu prends un vilain coup de cafard quand même. Tu fais oulala. Mais voilà, t'as plus qu'à espérer que ta cousine soit bonne, quoi. Ah, puis tu te reconstruis avec autre chose, là. On voit beaucoup de faune et de flore, déjà. On a vu des canards, des mouettes. Il y a des goélands. Il y a un peu de bleu par là-bas. Ouais, enfin, faut quand même bien chercher. Au fond, hein. Ouais, c'est vrai, au fond, il y a du bleu. Bon, tu nous parleras de la chasse au canard tout à l'heure. Et regarde, notre photographe a déjà deux amis. Avec des autochtones. Autochtones. Allons voir ce qui s'y dit. Et vous avez. Berg, vous avez déjà été, non? Non. Là, vous voyez les phoques. Là, en ce moment, vous voyez les phoques. Ah, il y en a un, là. On va voir des phoques, monsieur Mellerin. On va voir des phoques. Ah, c'est cool, j'adore. Berk, apparemment, il y a des vrais. Objectif du jour, chasser le phoque. Il y en a, hein. Même ici. Mais ici, on les voit. Non, moi, parce qu'ils sont loin, mais je suis sûr. Ouais. Ah, Patrick. Enfin, des phoques, il y en a plein ici. Hein. Ouais, normalement, dans la baie de Somme, j'en ai plus de 600. Ah ouais. Et à Berg, vous les voyez comme... 600 phoques. En face, vous les voyez comme ici. Qu'est-ce que ça t'inspire? Mais je sais pas pourquoi il y a une fixette que voit les phoques. Non, je sais pas. Il y en a pas, c'est juste comme t'es l'ami des animaux. Oui, ce sont des rivets, ça n'a rien à voir avec le conseiller du jour, mais on vient d'apprendre quelque chose d'intéressant. Mathieu, tu viens de me dire. Bah, j'ai une excitation totale. On est sur des rivets, j'adore ça. Ah, excitation. Explique-nous, c'est quand même assez particulier comme fétichisme. Alors, on est dans un petit bar perdu. Ouais, très bien ce bar d'ailleurs. C'est sympa comme très tout. Bien, ouais. Et là, je tombe sur un livre sur Ferrari. Bon. Oui, on sait que tu trouves que Daytona c'est nul et qu'une QRS c'est mieux. C'est ça. Ouais. Et là. Mais là, les rivets. Un 410S Spider de quelle année? Les années 50. En plus, il connaît même pas l'année. Ouais. 55. Et là, réservoir, on a lu avec rivet apparence, tout ça. Et là, t'es pas d'origine, ça. T'es rentré en France. C'est complètement d'origine. Ah, c'est pas d'origine, monsieur. Complètement d'origine, arrête. Ça, c'est complètement d'origine. Et c'est une voiture du bar de. Non, c'est pas la collection Bardinon, ça. Celle-là, oui. Là, ex-Bardinon, à l'époque ça devait l'être encore d'ailleurs, si je me trompe pas, et donc voilà, bon bref, voilà, un réservoir. Si tu veux revenir, c'est toi le rivet, voilà. Donc vu que t'es célibataire en ce moment, une meuf se pointe avec une poche de rivet. Ah mais là, tu me casses le cou complètement, dans le sac, là. Et c'est bon, quoi, ouais. Voilà, exactement. Bon, ben le message est passé, merci Mathieu.
Jeff, dites-moi, Jeff Mellerin. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Cette petite extension, meilleur, vous noterez, cette petite extension de budget pour aller en Namibie essayer ses motos, c'était quand même un peu inattendu. Bah écoute... Parce que là, on s'y croirait, quoi. Ouais, en fait, quand on a fait l'inventaire, là, les comptes, il nous restait un peu d'argent de 2021. Bah faut dire, on a cartonné au niveau des ventes, de la pub, du voilà, YouTube. Du coup, on s'est dit, tiens, on va commencer l'année. Donc on est venu en Namibie, à Sousouvlet. Ouais, puis Boulogne-sur-Mer. Voilà, Boulogne-sur-Mer, Namibie-sur-Mer de Boulogne. Voilà. Et voilà. Non, mais c'est hyper sympa. Moi, je connaissais pas, c'est super beau, en fait. Bah, si, c'est le cap Griné ou Blanet? Ouais, je sais pas, un des deux caps. Attendez, ouais. Je vais demander. Greg, c'est Blanet ou Griné? Ça commence par le Griné. Ah, alors ça commence par le Griné, après c'est le Grand Nez. Voilà. Moi qui voulais aller en Namibie cet été, je crois que je vais venir là. Moi, ce que je remarque, c'est les super vagues, ouais. Étant amateur de surf. D'ailleurs, ça ne me trompe pas, il y a 2-3 surfeurs au bout là-bas, je ne sais pas si on les voit. Ouais, ils doivent un peu escalier, comment dire. Bah là, l'eau, elle doit être à 12. À 2. Ouais, mais si tu as une bonne combarre, une petite 4 mm, ça le fait. Hein. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez dépaysant. Quoi. Surtout que ce matin, ça a commencé un peu. Ouais. C'était un peu tristos. En quoi. Mode. Le Hourdel dans le brouillard. Ouais, ouais, le cap du Hourdel, là, ou la pointe du Hourdel. Fallait une grande beauté intérieure. Ouais, ouais. Et pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, Mathieu, tu sais les mecs là, tu sais qui sont en espèce de momie à Saint-Michel. Là. Ah, tu sais, un billon doré. Ouais, en fait, il y a un truc qui est assez improbable, oui. C'est que Mathieu, alors je sais pas ce qui se passe dans sa tête, il est charmant, mais des fois il m'a expliqué un truc, j'ai juste pas compris. Tu m'as dit, t'as rencontré un lecteur, un auditeur, YouTube, un gars qui nous suit. À une soirée d'un de nos confrères. Reviens Marcel, ça Marcel, te parle. Ça te concerne. J'ai du travail aussi. Oui, bah, non, mais aussi, c'est du boulot, ça. Ouais, À une soirée de notre confrère, c'était en octobre. Oui, qui a fait le Midnight Garage Festival, qui a fait Rasteur Mikou, il a accès. Ouais. Tu mets de la bande thermique sur des pots et tu penses que t'es un génie. Exactement. Ouais. Alors, un lecteur est venu nous voir. Il y a des cafés Rasteur, tu sais, les motos que tu détestes. Un lecteur qu'on remercie, Christophe, est venu nous voir. Ouais. On était en train de boire une bière, je crois. Enfin, pas moi, c'est Coca-Fraise. Oui, toi, c'est Coca-Fraise. Ouais. Exactement. Moi, et... pas d'alcool, pas pendant le travail, jamais. Voilà. Et Christophe vient nous voir. Christophe vient nous voir et il nous parle d'une certaine tension. Qu'il y avait dans ses vidéos des off. Non, mais il a dû se tromper. Alors, je sais pas c'est de quelle tension, mais je voulais surtout vous poser la question à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Tension dans ces vidéos captivantes? Je pense que je ne comprends pas un seul mot de ce qu'il veut dire. Moi non plus. Je comprends tous les mots individuellement. Mais à l'époque, je n'avais pas compris. Alors, ce qu'il voulait dire, c'est que le mec, il était un peu spécial. Ouais. Parce qu'en fait, il est arrivé vers nous, il a fait « Écoutez, j'adore vos vidéos, surtout l'espèce de tension que vous mettez dedans. Ouais. » Et le gars était un peu… Ah, moi, les mecs qui se branlent sur les apéros biologiques, ça me fait un peu peur quand même. Non. Moi, je voulais surtout remercier effectivement les gens qui venaient nous voir et nous remercier pour tout ça. Parce qu'effectivement, ça veut dire que plutôt c'est marrant, on prend des conneries et que ça sert à quelque chose. Et après, bon, ben bah, voilà, tension, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là voilà. Écoute, tu nous as dit que tu étais prêt à te masturber devant une belle boîte de Rivet. Axel cherchait des phoques ce un matin, on a vu du rouleau. En aluminium. Bon, peut-être. Un réservoir. Moi, j'y vais, peut-être ça commence à craindre ici. Ce qu'on ignorait, c'est que Axel Mellerin est aussi professeur de surf. Oui. Donc là, on a une espèce de touriste qui se prend des vagues dans la gueule sans lever le petit doigt. Tout le traite de baltringue, Le mec ne lit pas le terrain. Ouais, faut lire quand le terrain. Quand tu arrives, c'est pour surfer un endroit, voilà, tu prends ta planche, tu t'assois, tu regardes où est la houle, dans quel sens vont les vagues. Et surtout, c'est des en général, les vagues vont vers la plage. Voilà, quand même, souvent. Ouais. Mais elles ne vont pas forcément parallèles à la plage. Et il y a des séries. Ouais. Et si tu veux, quand tu t'observes, tu vois, c'est pour ça que le mec il se met debout sur sa planche. Ouais. Normalement, tu regardes les séries et tu sélectionnes ta vague bien en amont. D'accord. Là, on a vu une belle série de 5-6 vagues qui sont arrivées. La 2 ou la 3 était pas mal. Bon, il s'est pris dans le nez. Et maintenant, du coup, comme les séries, ça va, ça vient. Là, maintenant, il attend une autre série. Mais tu sens le mec qui ne lit pas le terrain, qui ne s'imprègne pas de ces séries. Le mec pas impliqué, quoi. Bah ouais. Le mec qui fera jamais essayeur à Motomac, quoi. D'ailleurs, je rajouterais qu'en plus, il est mal placé par rapport à la plage. Ouais. S'il avait regardé un peu le terrain, il verrait que les meilleures vagues, elles sont pas là où il est. Bon, tu donnes des cours particuliers? Non, je donne pas de cours. Moi, je suis un super nul en surf, mais quand même. Comme quand t'es mauvais, il faut mettre tous les atouts de ton côté. Donc, il faut observer les vagues et tout pour être dans les meilleures conditions pour faire un take-off. Alors là, il cherche. Alors là, je vais vous expliquer. Normalement, alors déjà, il est pas très bien placé. Alors, s'il est pas trop con, il a l'air d'être bien con quand même. Surfeur, si tu te reconnais, appelle-nous. Il pourrait prendre la prochaine. Mais en fait, j'ai l'impression que le mec ne veut pas prendre de vagues. Parce que depuis tout à l'heure, Il fait trempette, il barbote en fait. Hein. Ouais. Et il est mal placé surtout. Il est entre deux chemins. Regarde, t'as de la vague là. Lui, au milieu, il n'y en a pas. Ouais.
Bon, alors là, regarde, il y a une autre série qui arrive. Genre, c'est un mec qui passe récit vitesse à la main avec une boîte DCT, quoi. Ouais, regarde, tu vois, il y a une autre série qui arrive. Alors, tu vois, il va prendre, à mon avis, celle-là. Mais regarde, elle s'écroule parce qu'elle fait déjà de la mousse depuis trop longtemps. Donc, regarde, il va essayer de la prendre. Regarde bien. D'abord, il part beaucoup trop tard. Voilà, il n'a pas compris qu'il faut commencer à ramer, sinon tu ne prends pas la vague. Tu vois, hop, la vague, elle est passée dessus. Il s'est à moitié noyé. Il va prendre une deuxième sur la gueule, regarde. Voilà, et donc, en fait. C'est ce que je veux dire, tu vois. Ça, c'est un mec qui fait n'importe quoi. Il est peut-être très sympa. Moi, ce qui me plaît dans les essais de Motomax, c'est que le moindre élément de décor est une source d'émerveillement grâce aux explications de Marcel. Quoi. Non, mais parce que voilà. Je le jalouse un peu. J'aimerais bien aller faire quelques vagues, tu mets ton caleçon étanche et tu y vas, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Ouais. Remarque, il doit se faire plaisir, c'est le principal. Je suis pas sûr. Te prendre de la flotte dans la tronche par 2 degrés, faut ça quand fait même... 20 minutes. Ouais. Ça fait 20 minutes qu'il a pas... Tout est sur ce site galéjade et de... Ça fait 20 minutes qu'il a pas pris un take-off, le mec. Ouais, le touriste. Voilà. Mon touriste. Attends, je sais ce qu'ils veulent. Ça vient. Ils veulent voir ton corps. Marcel, l'ami des bêtes, non? Marcel, l'ami des bêtes. Après les phoques en baie de Somme, les ânes dans le Vexin. Regarde. Alors, les copains. Salut les potes. Oh, bah dis donc. Voilà. Tu vois, non, tu prends pas tout. Tu donnes à ton pote. Voilà. Ça porte bonheur de toucher un âne. C'est vrai? Ouais. Regarde. Touche-moi, monseigneur, touche-moi. J'allais dire tu seras rempli de grâce. Voilà. J'allais dire une énorme connerie. Vas-y, dis-la. Non, bah non. Allez, t'es parti, dis-la. Non, il y avait un petit peu de sexualité là-dedans. Oui, non, mais non. Tu parles toujours que de ça, alors. Oh, arrête. Bah si, t'es comme le mec qui se branle devant des réservoirs en rivet, quand tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu trouves ça élégant? Je trouve ça élégant. Oui, c'est sûr. Ah, ils sont arrivés en hurlant, genre. Leur fête. Marcel débarque, hein. Leur fête pas peur. Attention, te fais pas mal. Tiens. Voilà. Hey, il a un peu du poil blanc, il a dit. Parce qu'en fait, monsieur Mathieu, toutes ces merdes en plastique là qui nous font rouler vite et gaspiller du pétrole, on s'en fout, ce qui compte c'est la nature et la communion qu'on a avec l'animal. Avec l'animal. Avec les ânes. Il y en a deux beaux là, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu parles des deux, ouais. Je laisse au lecteur le soin de nous répondre.